Représentant son Excellence Monsieur le Président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso est arrivé à Paris le samedi 11 novembre 2023 pour prendre part aux obsèques officielles de l'ancien Premier ministre Henri Lopez. Dans la soirée de ce même samedi, le chef du gouvernement a pris part à la veillée organisée à Paris. Étaient aussi présents quelques membres du gouvernement, des ambassadeurs du Congo dans l'espace Schengen, des membres de sa famille biologique, plusieurs hommes de lettres et d'anonymes. La veuve et les enfants ont pris la parole pour exprimer leur gratitude au président de la République pour son assistance, de la présence des officiels dans la capitale française, avant de lire quelques passages des œuvres de l'écrivain de haute facture que fut Henri Lopez, l'auteur du Pleurer Rire, de Tribalik, de Ma grand-mère Bantou et mes ancêtres gaulois, et d'une enfant de Poto-Poto, ouvrage écrit en 2011. Au cours de la soirée, des images retraçant la vie de Henri Lopez et des témoignages ont été diffusées. C'est un grand intellectuel à l'humanisme éprouvé. On ne va quand même pas oublier qu'il a été l'un des grands éclaireurs de la vie politique de notre pays. Il n'y a qu'à voir l'engagement qui a été le sien aux côtés de bien d'autres, au cadre. Je citerai en passant Jean-Pierre Tister-Tikaïa, Pascal Lissouba, lorsqu'à l'époque, ils ont adressé une lettre ouverte au président de la République, Massamba Déda. Donc, on voit déjà comment l'engagement de l'intellectuel s'était affirmé depuis là. Pour ceux qui l'ont connu et l'ont côtoyé, ils perdent un grand homme, un grand ami, un mentor. J'ai connu la famille Lopez très jeune, par son épouse d'abord, qui a été mon professeur d'histoire géo au lycée Savonion de Brazzaville, 66-67. Il m'a appris aussi que le service de l'État était un sacerdoce. Nous avons toujours été sensibles à ce que le président pouvait faire pour Henri Lopez. C'est mon aîné, mon mentor, il m'a appris le service public et plus encore. Je reste inconsolable. C'est un mentor. Un mentor pour beaucoup de jeunes Congolais issus de la diaspora, mais en même temps un mentor pour tous les Congolais, pour toute la jeunesse. Ça a été un des acteurs très importants lorsque l'on a créé et lancé le RIS. Il nous a poussés à cette aventure, il a mis toute son énergie et ça a donné justement la réussite que le RIS a été. Et ce qu'on gardera de lui, c'est quelqu'un qui poussait la jeunesse, quelqu'un de positif, quelqu'un d'innovateur, mais en même temps une humilité suffisante pour vous laisser faire les choses. Décédé à 86 ans dans la nuit du 2 novembre 2023 à Paris, l'ancien Premier ministre sera inhumé mardi 14 novembre prochain au cimetière de Montparnasse.